Bonjour cher ami, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la cinématique. Dans cette vidéo, j'aurai l'option de vous apprendre à faire plusieurs exercices liés à la cinématique. En fonction des exercices, je vais vous beaucoup vous aider car cette année, vous allez avoir votre bac. Sûrement, c'est cet exercice que vous avez bien. C'est cet exercice-là que nous allons corriger aujourd'hui. Sur ce, je vous dis de maîtriser les différentes étapes. Il faut recopier l'énoncé sur les feuilles de papier à la maison. Il faut reprendre le sujet après visionnage de la vidéo. Il faut répéter plusieurs fois ce sujet pour une bonne maîtrise. Chers amis, sur ce, nous allons débuter. Alors, ce exercice possède deux parties. Partie A. La partie A nous donne l'équation horaire d'un mobile. R1 R2 X égale à 5 T moins 4. La première question, cher ami, nous demande quelle est la position de M aux instants T égale à 0 seconde et T égale à 1 seconde. Cher ami, nous allons répondre à la première question. Quelle est la position de M au instant T égale à 0 seconde et T égale à 1 seconde? Cher ami, vous avez une équation appelée équation horaire. Pour répondre à la première question, vous devez d'abord savoir de quoi il s'agit. On nous demande de déterminer la position. Alors, X représente la position. Pour vous expliquer, X est la position à l'instant quelconque. L'instant quelconque signifie que l'on n'a pas de valeur attribuée à T. Maintenant, le professeur vous demande de déterminer la position lorsque T serait égal à 0. Tout simplement, il suffit de remplacer par tout, vous voyez T, tout en levant T là pour mettre la première valeur. Lorsque vous voulez rédiger normalement, pour préciser les deux cas, vous faites pour T égale à 0 seconde. Dans cette partie, vous devez remplacer par tout, vous voyez T, par 0. Vous obtenez par la suite X égale à 5 fois 0. Le T a été remplacé par 0, moins 4. Vous obtenez 5 fois 0, ça fait 0, moins 4. Le X correspond à moins 4 mètres. Il faut savoir que lorsque X est négatif, on appelle ça l'abscisse. Car X s'exprime en mètres et une distance n'est jamais négative. Lorsque vous voyez X est égal à moins 4 mètres, automatiquement ce X que vous venez de trouver est appelé abscisse. Car les abscisses sont négatives et aussi positives, mais les distances ne sont jamais. Alors, cher ami, je vais répéter. X égale à moins 4 mètres. Que représente ce X? Étant donné que X est inférieur à 0, alors ici, X est l'abscisse. Parce que ce sont les abscisses qui sont négatives. Une fois que vous essayez de calculer une distance n'est jamais négative. Deux points, X. La distance n'est jamais négative. Une distance n'est jamais négative. Dans ce cas-là, vous devez mettre une valeur absolue sur ce X que vous avez trouvé en faisant sous la forme de valeur absolue de moins 4. Du coup, X est égal à 4 mètres. Ce que l'on vient de trouver est appelé désormais, comme sa valeur est supérieure à 0, est appelé. Alors, X est une distance. Vous avez bien compris. Lorsque X est négatif, ce n'est pas une distance, c'est l'abscisse. Car une distance n'est jamais négative. Mais lorsque X est positif, c'est à la fois les deux. Ça peut être abscisse positive ou en même temps distance. Retenez bien qu'une distance n'est jamais négative. Une fois que vous faites un exercice et que vous avez bien calculé et que la distance est négative,
vous devez mettre une valeur absolue. Le premier cas, je vais le trouver moins 4. Moins 4 montre que nous n'avons pas encore la distance, mais plutôt nous avons l'abscisse, car les abscisses sont négatives et aussi positives. Donc ici, on peut dire que x est une distance à présent, car cette valeur-là, je viens de mettre une valeur absolue sur cette écriture-là. Chers amis, nous allons déterminer pour t égale à 1 seconde. Si t est égal à 1 seconde, cela signifie quoi? Il faut remplacer partout, vous voyez t là, par 1. X est égal à 5, facteur de 1, moins 4. Vous obtenez x est égal à 5, moins 4. X est égal à 1. Et qui parle de distance, vous mettez en mètre. Ici, c'est à la fois l'abscisse et à la fois distance. Ici, x est à la fois une distance et un abscisse. Alors, cher ami, une distance n'est jamais négative. Lorsque vous trouvez un x qui est positif, c'est à la fois une distance et à la fois en même temps un abscisse. Mais si x est négatif, automatiquement, il s'agit donc d'une abscisse. Pour rendre ça en distance, il faut mettre une valeur absolue. Cher ami, je sais que je me suis fait bien comprendre. Une distance doit s'exprimer en mètres. Nous allons répondre à la deuxième question du sujet, qui est de savoir à quelle date le mobile a pour position x égale à 0. À quelle date le mobile a pour position x égale à 0? Cher ami, l'on vous demande de déterminer la valeur du temps. Qu'est-ce que l'on appelle date? Date est égale à instant. Instant est égal à la durée. Durée est égale au temps. Alors, cher ami, voici les différentes expressions que l'on utilise pour parler de T. Si l'on vous demande à quelle date le mobile a pour position x égale à 0, automatiquement vous devez donner la condition qui est là, x égale à 0, et vous tirez le T à l'intérieur. Cher ami, suivez comment je vais procéder. Ok. On nous demande à quelle date le mobile a pour position x égale à 0. Si x égale à 0 équivaut à l'expression de x. Or, x est égal à 5t moins 4 qui est égal à 0. Chers amis, on nous demande de déterminer t. Nous avons 5t qui est égal à 4. Quand moins 4 passe derrière l'égalité, où t est égal à 4 cinquième. Lorsque vous trouvez une réponse du temps, vous mettez en seconde. Alors, chers amis, vous pouvez calculer en termes de décimales pour vous laisser en termes de fractions. Nous allons procéder à la question 3. Il s'agit donc de quelle est la valeur, quelle est la vitesse de M, et puis après, quelle est la nature du mouvement. Ok, cher ami. Quelle est la vitesse de M? Puis, quelle est la nature du mouvement? Pour déterminer la vitesse de M, il faut regarder la position au départ. On a x égale à 5t moins 4. Ça, c'est la position. Comment déterminer la vitesse? Vitesse par rapport à l'axe des x, quand nous sommes sur l'axe des x, est égal à la dérivée de x par rapport au temps. Dans ce cas-là, vitesse de x qui est égale à la dérivée de x par rapport au temps, nous va nous donner x un point. Que représente x un point? La vitesse. Dans notre cas, on aura vx qui est égal à la dérivée de x par rapport au temps, qui est égal à x un point, qui est égal à la dérivée de 5t
moins 4 sur dérivée du temps. L'on obtient Vx est égal à dérivée de x par rapport au temps, qui est égal à x point. Et la dérivée de 5t va nous donner 5. La dérivée de moins 4 va nous donner 0. La dérivée du temps va nous donner 1. Ce qui sous-entend Vx est égal à x point est égal à 5 mètres par seconde. L'on vient de déterminer la vitesse. Une fois que vous trouvez la vitesse, alors quelle est la nature du mouvement? Cher ami, pour déterminer la nature du mouvement, vous êtes obligé de connaître la valeur de l'accélération. Car sans la valeur de l'accélération, nous ne pouvons pas relier la nature du mouvement. Dans ce cas-là, nous devons chercher l'accélération. Déterminons l'accélération. Alors, cher ami, comment déterminer l'accélération? L'accélération est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Étant donné que nous connaissons aussi x dans le sujet, l'accélération serait égale à la dérivée au carré de x par rapport au temps au carré. Soit nous passons par cet élément, ou bien par l'élément qu'elle a. Nous avons dans notre cas ici la valeur de v. Il s'agissait de c. A serait donc égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps sur l'axe des x et là sur l'axe des x, comme auparavant. Ax devient donc égal à la dérivée de vx par rapport au temps qui va nous donner x 2 points. Dans ce cas-là, nous pouvons matérialiser Ax est égal à x 2 points est égal à la dérivée de notre vitesse sur l'axe des x qui donne 5 par rapport à la dérivée de la vitesse. Ax est égal à x 2 points. Dans ce cas-là, quelle est la dérivée de 5? La dérivée de 5, cher ami, nous donne 0. À la fin de notre exercice, nous allons mettre mètre par seconde carré. Alors, Ax égale à 0 mètre par seconde carré. Une fois que Ax est déterminé, nous allons appliquer la technique qui nous parle de nature. Alors, cher ami, comment déterminer la nature du mouvement? Dans la vidéo du cours, j'ai utilisé l'expression A scalaire V. Et j'ai dit que A scalaire V est égal à AX VX. Sur, nous sommes ici, l'axe OX. Dans nos cas, nous sommes ici l'axe OX. Alors, cette information est vérifiée. Nous allons remplacer AX par sa valeur et VX par son expression. Dans ce cas-là, nous allons trouver A scalaire V qui va nous donner la valeur de AX est égale à 0 multiplié par la valeur de VX qui est égale à 5. Dans nos cas-là, A scalaire V est égale à 0. On ne met pas d'unité. Alors, si l'accélération est égale à 0, on a un mouvement rectiligne uniforme. Comme A est égal à 0, mètre par seconde carré, alors le mouvement est rectiligne uniforme. Cher ami, le mouvement rectiligne uniforme car notre accélération est égale à 0. Nous venons d'achever la partie A. Nous allons débuter la partie B. La partie B, un point mobile est animé d'un mouvement rectiligne d'équation, et l'équation est sous la forme de x qui est égal à t carré moins 4t plus 3.
Si l'on vous demandait de calculer x à l'instant et t égale à 0, on devait remplacer t par 0. Si on dit à l'instant t égale à 1, on devait remplacer t par 1. Mais ce n'est pas la question posée. La question posée est, en 1, donnons les expressions en fonction du temps de la vitesse et aussi de l'accélération. Alors, chers amis, vous devez suivre attentivement comment procède-t-on pour déterminer expression en fonction du temps. Nous allons passer par notre premier cas, pour la vitesse. Qu'est-ce que l'on appelle expression de la vitesse, chers amis? Si le repère est O, I, J et K, l'expression de ce que l'on appelle vitesse serait sous la forme de vecteur vitesse égale à ici plus YJ plus ZK, tout en mettant point, point et point chez l'ami. Voici comment l'on procède. Et si le repère est OIJ, quelle formule l'on doit retenir? Vecteur vitesse égale à xi plus yj plus zk, tout en mettant point, regardez s'il vous plaît, point et point, car le repère est oij. Dans notre cas, on a l'axe x. Et on n'a plus l'axe Y, on n'a pas l'axe Z. Ce qui signifie que le repère considéré est l'axe OI. Parce qu'on a la présence seulement de X. Dans notre cas, notre repère est OI. Voici notre repère. Pourquoi notre repère OI? Car on a la présence seulement de l'axe X. Si on avait la présence de X et de Y, on devrait avoir le repère OIJ. Si on avait la présence de X, Y et Z, on allait avoir le repère OIJK. Dans notre cas, le repère OI. Et si le repère OI, la vitesse est égale à X.I. Dans ce cas-là, nous devons remplacer X.I. par la dérivée que l'on avait trouvée lorsqu'on utilisait l'élément situé là. Dérivée de x par rapport au temps à côté de i. Nous allons terminer cette phase. Son expression est v vecteur vitesse égale à x point i. Alors, comme son expression est déjà donnée, avant de trouver x point, il faut connaître cette propriété. Dans ce cas-là, nous allons dériver x. On obtient vecteur vitesse qui est égal à la dérivée de x par rapport au temps. I serait donc égal à la dérivée de t carré moins 4t plus 3 par rapport au temps, sans oublier de mettre i. On obtient dans ce cas-là, dérivée de x par rapport au temps i qui nous donne x point i qui serait donc égal à t carré dérivée devient 2t moins 4t devient moins 4 sur la dérivée du temps qui nous donne 1. Alors v serait sous la forme de 2t moins 4. Lorsque nous finissons, nous allons mettre vecteur.
on vient de trouver l'expression du vecteur vitesse. Nous allons passer à l'expression de la position et du vecteur accélération. Donc, l'expression du vecteur accélération. Donc, vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps sur l'axe de x. Cher ami, c'est que vous comprenez ça, qui est égal à la dérivée de x point par rapport au temps sur l'axe de x. Nous allons avoir, dans ce cas-là, vecteur accélération qui est égal à x 2 point i. Nous allons passer à la dérivée maintenant de la vitesse. Dérivée de x par rapport à si la vx revient à dérivée vx sur la vx qui revient à dérivée l'écriture trouvée 2d moins 4 par rapport au temps et sans oublier de mettre i. A avec vecteur, lorsqu'on dérive 2d moins 4, nous trouvons 2. Après ce 2, nous allons mettre le vecteur. L'on vient de donner l'expression du vecteur vitesse et du vecteur accélération, sans oublier de mettre i et aussi i. Une fois que l'on vient de trouver cette écriture, alors nous allons répondre à la deuxième question, qui est quelle est la nature à t égale à 3 secondes du mouvement. La nature du mouvement, cher ami. Ça serait très simple. Pour faire la nature du mouvement, l'on a besoin de A et de B, sachant qu'on connaît le temps. Alors, d'après A scalaire V, l'on peut exprimer A et B. Le A et le V. Le A est 2, quant au V est 2D moins 4. Les deux possèdent I comme axe. Donc on a A scalaire V multiplié par, ici, on va faire développement membre par membre. L'on obtient, dans ce cas d'abord, on va faire le développement 2 fois T qui est 3 moins 4. Alors, chers amis, nous allons A scalaire V qui est égal à 2 fois 3, nous fait 6 moins 4. 6 moins 4, chers amis, nous trouvons 2. Et 2 fois 2 nous donne bel et bien 4. On vient de trouver l'accélération est positive. Alors, nous allons dire que A égale à 2i et 2 est positif, alors le mouvement est rectiligne, uniformement varié. Et nous allons préciser comment c'est varié. La valeur de A étant positive, il s'agit de dire A, C, L, R. Alors, nous allons passer à la question numéro 3. Nous allons exprimer le vecteur position initiale. Exprimons le vecteur position initiale. Qui parle d'expression, parle de vecteur, et ici, nous allons utiliser xi. Dans notre cas, nous connaissons la valeur de x. Et x, c'est égal à t carré moins 4t plus 3. Une fois que l'on trouve, nous allons marquer i et remplacer ce i-là par at initial.
à t initial signifie t égale à 0 seconde. On obtient OM égale à 0 au carré moins 4 fois 0 plus 3. Sans oublier de mettre les deux. D'où OM est égal à 0, 0, 3, I. Alors, nous retenons que le vecteur position est égal à 3, I. Nous allons procéder de la même manière, exprimant le vecteur vitesse initiale. Pour cela, nous avons le vecteur vitesse égal à x moins i. Comme nous avons déjà trouvé x moins, alors le vecteur position serait donc égal à 2t moins 4, sans oublier de mettre à l'instant initial. Comme nous avons déjà la vitesse qui est égale à 2t moins 4 vecteur i, il faut remplacer t seulement par 0. Ça fait 2 fois 0 moins 4i.